après la cérémonie de levée des couleurs au siège du 6e arrondissement Ngoyo. Présence remarquable de l'administrateur-maire de Ngoyo, jeunesse Wilfred Pakabantou, qui a créé les conditions pour la bonne tenue de cet événement. En effet, la méditation est partie de l'exposé du conservateur du musée de Luango, historien et musicologue Joseph Kimfoko Madungu, lequel exposé a porté sur trois points, notamment l'historique de l'avènement de la République, la proclamation de la République et les valeurs qu'elle représente dans le contexte actuel. De fil en aiguille, un échange fructueux a eu lieu entre l'exposant et les participants à cette grand-messe républicaine. Le représentant du préfet du département de Pointe-Noire à cette occasion, Germain Bemba Bantimba, est intervenu en ces termes. Puisque nous sommes investis d'une mission de rendre compte à M. le préfet de ce qui a pu se dire ici avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Tous ceux qui se sont exprimés en cette circonstance ont bien montré la nécessité pour nous les fils de ce pays de travailler dans l'unité, de mettre les valeurs du travail en avant pour que nous participions au progrès et à l'émergence de notre pays. Au terme de ces échanges, l'administrateur maire de Ngoyo a bien voulu prononcer son mot de circonstance ainsi qu'il suit. Si aujourd'hui, ces activités se font déconcentrées dans chaque arrondissement, effectivement, c'est parce que nous avons dit pas de résilience. Que de rester à la maison, voilà, nous sommes là, nous réfléchissons sur le pays. Nous réfléchissons sur la nation. Nous travaillons pour l'unité nationale qui nous est chère. Nous travaillons pour la paix. Nous devons contribuer tous à améliorer le quotidien des vies des citoyens. J'espère que le 28 novembre, comme l'a souligné certains orateurs ici, nous souhaitons avoir notre mairie construite et terminée de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo. On retiendra que dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, ce 63e anniversaire de la République a été commémoré sur fond de méditation sur les valeurs de notre République, que sont l'unité, le travail et le progrès.